un ami au faut qui te danse. Mon bon Wichiga, Roga Forlan, lieutenant Fiogabe. Rien ne sait de courir, d'où vient la voix qui sait attendre. Quand dans la vie, c'est la patience qui paye. François, stop! Yeah, yeah, sino t'allez yo. Toto, mot de passe. Grosse mamba, yeah, t'allez yo. Moi, ça, ça parie, donc c'est je t'allez yo. La famille, mettez les cœurs rapidement parce que beaucoup de personnes sont en train de signaler mon direct. Ça fait que ça se coupe. Ça se coupe. Mettez le cœur, commencez à partager à la nation d'Aputu National. Parce que c'est comme ça, maintenant, je vous ai surnommé. Vous êtes ma nation. Partagez le direct là rapidement. Je vais rentrer dans le but de mon sujet, dire mes vérités en 10 minutes et puis couper mon direct après là. Les gens qui vont venir après vont regarder le direct. On écoute un peu la musique, je commence. Mettez le cœur, partagez le direct rapidement là. On est témoin la richesse. Y'en a qui posent des actes qui le mettent dans le regret. A ton langue, passe dans les états. Quand je vois tout ça, je me préfère. Procure Dieu que tout, à l'aise au taléo. On est sauvé au taléo. Voilà, je vais faire bref rapidement. Bonsoir la famille, vous avez déjà reconnu, c'est Agbré Stéphane, le miel de Paris, le Aputu National. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Aouignon. J'aimerais aussi m'adresser à Edossi Yao. Edossi Yao, j'aimerais te dire, peut-être par ton agissement, tu penses que tu fais fier la Côte d'Ivoire ou que tu rends la Côte d'Ivoire fière. Mais j'aimerais te dire, tu ne nous rends pas fiers. Voilà. Je ne sais pas si ton cœur là, c'est devenu comme ONG et puis tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi. J'aimerais te dire, nous les Ivoiriens là, nous aujourd'hui qui avons fait que tu es ce que tu es là, parce que j'aimerais te dire, si peut-être tu ne le sais pas là, c'est à toi. L'Afgo Annie Bambala devait dire, ta musique donne envie de se suicider. C'est à toi on devait dire ça. Mais malgré ça là, nous on te soutient, on t'aime et puis on est avec toi. Aujourd'hui là, tu te lèves juste à cause d'un buzz. Juste parce que tu cherches, non, juste parce que tu... C'est quelle gloire tu cherches, c'est quelle gloire tu n'as pas encore eu. C'est quelle célébrité toi tu n'as pas encore eu. C'est quel nom tu n'as pas encore eu dans showbiz là. Et puis tu es obligé de partir jusqu'à Guinée pour aller prendre quelqu'un pour venir créer le buzz. J'aimerais te poser la question. Je n'ai rien contre les Guinéens, hein. Moi, je vous aime bien. J'aime la Guinée, la Côte d'Ivoire, nous sommes pays frères. Mais quand il s'agit de ma patrie et de ma soeur, je suis obligé de prendre parti. Mais j'aimerais te poser la question. Le monsieur qui est là, là, le monsieur qui a arrêté là, là, le monsieur qui est là, là, c'est que tu as fouillé ton Côte d'Ivoire, là. Tu n'as pas vu quelqu'un avec qui tu pouvais créer buzz. Tu es parti jusqu'en Guinée. Je dis, ce monsieur qui est accroché ici, là, qui est accroché à tes fesses, là, qui est accroché à tes fesses, là, là-haut, j'aimerais te poser la question. L'homme qui a arrêté là, là, en prend tes fesses là, en ouvre comme cela, avec tout le respect que tu dois. En ouvre comme cela. Et puis on le met au milieu et puis on ferme. Gah! C'est qu'il devient comme un rangeoir, il va se perdre dedans. C'est l'homme. Tu dis que c'est ton mari, tu te promènes à lui partout, partout. C'est lui là, tu es en train de te promener à lui partout, partout là. Tu penses que tu es en train de montrer la Côte d'Ivoire bien ou que tu penses que tu es en train de créer un peu. Si les gens ne te disent pas la vérité là, moi je vais te dire la vérité. Ils n'ont qu'à dire que c'est jalousie. Mais moi, je ne peux pas voir ma soeur en train de se promener avec la... Faut pas, tu vois, faire, je vais dire certaines choses, hein. Mais j'aimerais te dire la vérité. Tu n'as pas besoin de ça pour avoir la célébrité. Tu n'as pas besoin de marcher avec lui, malgré que je n'ai rien contre sa personne ou rien contre les Guinéens. Mais tu n'as pas besoin de ça pour être célèbre ou pour avoir la gloire. Tu es allé jusqu'à même aller... Regarde comment il a attrapé ta bouche même. Il va casser tes yeux à cause d'un bisou. Quelqu'un... Ça fait 50 ans, il n'a pas Mougou. 50 ans, même au temps des Mahomet qui partaient prier. Qui partaient prier même. Comment on appelle ça même sur les collines. Ou bien ça, sur les montagnes. Au temps des Mahomet, des Jésus. Personne n'a fait 50 ans sans faire l'amour. Ça fait 50 ans. Personne. Premier bisou sur Maria. Il a attrapé. C'est aujourd'hui, moi, je vois que tu as coup de piton. C'est que coup de piton, ça gonfle. Encore des bisous sur moi là, regarde comment la Yeri la famille sont en train de signaler mon direct là.
pardonnez, mettez les cœurs rapidement. C'est pas, ils sont en train d'attaquer ma connexion. Donc quand ils signalent mon direct, ils attaquent ma connexion. Vous ne voulez pas entendre la vérité, mais moi je vais vous dire cette vérité que vous ne voulez pas entendre là. À cause d'un petit bisou, premier bisou seulement. Regarde comment il t'a rendu le dossier Yahoo. Regarde comment il t'a rendu pour un simple bisou. Regarde comment il t'a rendu. C'est vrai que moi je n'arrive pas à comprendre quoi faire. Tu es marabout pour aimer génie, ou bien c'est quoi? Parce que Dieu m'explique. Parce que depuis le cinéma, on dit c'est marabout qui se promène à un génie. Toi, tu es marabout pour aimer génie. Tu as quel problème? Ou bien en Côte d'Ivoire, tu n'as pas vu quelqu'un que tu pouvais prendre. Si tu aimes tant les extraterrestres là, voici Ange Pharaon, voici Eskeli. Fallait prendre quelqu'un dedans pour aller créer Belge. Si tu aimes tant les extraterrestres dans ce monde là, voici Ange Pharaon, voici Eskeli. Tu pouvais prendre un dedans, tu allais créer Belge sur la toile ici. Là, on allait dire non, et Dossi Yao, son cœur là, c'est comme ONG. Elle accepte tout. Tu as quel problème? Ou bien c'est quel genre de nom tu cherches? Pour aller jusqu'à embrasser un monsieur. Tu t'amuses, les Guinéens. Tu connais les Guinéens. Tu penses que les Guinéens s'amusent. Toi, tu penses que tu es en train de créer buzz. Un matin, tu vas te lever. Tu es couché en Guinée là-bas, si nat. C'est que grand-père est en train de te faire. Bah, 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 bah. Tu vas faire sortir un enfant bizarre sans t'en rendre compte. Et moi, je te préviens. Par exemple, dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir. Tu es ma soeur. Je ne peux pas te voir dans quelque chose, puis je vais te laisser. Un matin, tu vas te réveiller, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Tu es en Guinée, tu es en train de faire un enfant à grand P. Et là, tu vas t'asseoir maintenant, le buzz là va éclater plus. Tu as quel problème? Tu es marabout pour aimer génie? Ou bien tu as quel problème? C'est quelle célébrité tu cherches? C'est quoi tu cherches dans ce monde-là? C'est quelle gloire tu n'as pas encore eue? Regarde comment tu es célèbre. Toi, une belle femme comme celle-là, Dossi Yao, jolie jusqu'à y apparaître. Je pourrais dire même que tu es l'incarnation même de la beauté féminine. Mais je ne sais pas dans quoi tu te mets. Parce que les gens ne veulent pas te dire. Les gens sont en train de t'applaudir. Ceux qui t'applaudissent là, quand demain tu auras des problèmes là, ils ne viendront pas t'applaudir. Un vrai homme, ou bien quelqu'un qui est fan. Moi là, je suis un fan de ta musique. Raison pour laquelle je te dis la vérité. Quelqu'un qui est fan de toi, quelqu'un qui aime ta personne là, va pas te laisser en train de rentrer dans certaines choses et puis va te laisser. C'est quoi tu cherches? C'est quelle gloire tu cherches? C'est quelle célébrité de Facebook tu cherches? C'est quel nom tu cherches? Non, c'est mon mari. Non, grand-père, c'est mon mari. Non, grand-père, c'est mon mari. Quelqu'un qui a... Attends, il ne sait pas si tu fais exprès quoi. Hein? Regarde comment il a accroché même. Regarde comment il a accroché. Tu t'amuses, hein, ça là. Regarde comment il a accroché. Tu vois ça en jeu. Tu penses que tu es en train de t'amuser. Ceux qui vont m'insulter en commentaire, là, insultez-moi, ça ne va rien changer à ma vie. Mais je ne peux pas voir ma soeur. Et puis la laisser dans des problèmes, ou même la voir en train de parler dans quelque chose, et puis moi je la laisse. Tu peux t'amuser avec Dieu. Tu peux t'amuser avec Dieu. Tu peux t'amuser avec Dieu. Tu penses que tu es en train de jouer, mais tu ne le vois pas en amusement. Il ne voit pas ça en amusement. Un matin, je te dis, le CIO, tu vas te réveiller en Guinée, tu es enceinte, et tu vas faire sortir un enfant. Ton enfant que tu vas accoucher là, il faut le laisser en Guinée là-bas. Hein. Tu ne vas pas nous envoyer ça ici. On n'a pas besoin de deuxième escalier qui va venir nous fatiguer dans ce pays-là. On en a bien marre. Ton enfant, tu vas accoucher en Guinée, là. Il faut le laisser en Guinée là-bas. Tu le déposes en Guinée là-bas et puis tu viens à Abidjan. Quand tu vas aller faire enfant encore, tu vas encore, tu fais enfant là-bas et puis tu le laisses là-bas. Pas venir nous fatiguer. Nous, on n'a pas besoin de ça. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Les gens n'ont qu'à dire non, pour tu national, tu es bête. Ah, pour tu national, tu es ceci. C'est quelqu'un qui t'aime qui te dit la vérité. Ma chérie, buzz que tu es en train de créer là, ça ne va pas t'arranger. La suite, buzz que tu es en train de créer ça là, ça ne va pas t'arranger. C'est la fin du film qui va faire pitié. La fin de ce film là, ceux qui ont partagé, qui sont allés te prendre pour aller dire non, c'est mon mari, c'est comme cela. Jusqu'à aujourd'hui, tu fais bisous. Jusqu'à aujourd'hui là, tu fais bisous. Buzz que tu es en train de créer là, ça ne va pas t'arranger. Parce que si on m'avait dit que toi, ton cœur était ONG, je pourrais comprendre. C'est que j'allais comprendre. Tu as laissé tes frères ivoiriens et tu allais prendre grand P. Pourtant, homme comme grand P là, il y en a deux en Côte d'Ivoire. Il y a Ange Pharaon et puis il y a Eskeli. Tu pouvais prendre un. Tu as laissé. Et puis, au moins, Dieu merci, ils sont grands. Mais tu as laissé ça et tu es parti jusqu'en Guinée. C'est que tu fais l'apologie de quelqu'un qui n'est même pas de ton pays et tu laisses tes propres frères là. Oh, tu pouvais te baiser celui-là. Mais tu les as laissés. Voilà pourquoi on dit tous les jours que les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Voilà la preuve qu'elle a. Parce que voici cette solidarité là qui devait commencer là. Tu devais montrer ta solidarité là. Tu partais taper la porte de Ange Pharaon. Fais bisous à Ange Pharaon. Tu connais combien de buzz ça va aller. Tu sais quel buzz tu allais avoir dans ça là.
Si tu faisais bisous à un pharaon, tu sais quelle bête tu vas voir. Ou bien dit Edossi Yahou en couple avec Eskeli. Tu sais quel genre de relation ça va donner. Tu sais quel genre de relation ça allait donner. Tu exagères maintenant la fin. C'est quel nom tu cherches. C'est quel nom tu cherches. Ton mouvement a pris. Tout le monde te connaît, même à l'extérieur, on te connaît. Tu es obligé de prendre grand prix pour venir faire comme buzz maintenant, ou bien pour marcher avec lui, pour montrer que non, toi, Edossi Yahou, ton buzz est là, ton mouvement est là, ton ceci est là, tu fais. Personne te regarde, tu penses. Il ne faut pas voir son jeu, on ne s'amuse pas avec Guinéens. Guinéens, mes frères Guinéens là, on ne s'amuse pas avec eux. Eux là, ils ne sont pas dans l'amusement. Ils prennent tout. Ils prennent tout en bien, ils prennent tout en mal. Eux avec eux, il n'y a pas d'amusement. Soit c'est ça ou soit c'est pas ça. Donc ton jeu que tu es en train de faire là, c'est un faux jeu. Il faut quitter dedans. Concentre-toi sur ta musique, tu vas chanter. Chanson là, tu dis tu vas chanter. Dieu merci, tu es en train de chanter, c'est la prendre. Ceux qui vont m'insulter en commentaire là, c'est ceux qui ne t'aiment pas. Un amour vrai te dira la vérité. Un amour vrai te dira la vérité. Si tu veux faire ton deuxième ange pharaon, tu le fais en Guinée, tu le laisses là-bas. L'autre nationalité là, on a neuf sur toi, on te donne nationalité guinéenne et tu restes là-bas. Tu veux créer Eskeli, tu restes en Guinée. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a trop de problèmes. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. Pour aller prendre des gens. Tu es là. Tu veux montrer ta générosité, ton amour propre pour les humains. Tu veux montrer que nous sommes tous même chose dans ce monde-là. Mais prends ange pharaon. Prends Eskeli. Tu attends quoi pour les prendre? Ou bien qu'est-ce que tu veux? Tu pouvais les prendre. Tu pouvais les prendre. Tu pouvais prendre un seulement parmi les deux. Tu choisis un et puis tu crées grand buzz. Ça allait rester là. Mais non. Ma chérie veut montrer qu'elle son amour là. Ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que tu vas en Guinée. Et tu n'as pas à nous prendre. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est que je suis mes frères guinéens, sachant que moi je n'ai rien contre vous, hein. Je vous aime. Je n'ai aucun problème avec vous. Mais c'est ma soeur. Ma soeur là, c'est ma soeur. Chemin qu'elle est en train de prendre là, ce n'est pas amusement. Parce que grand-père ne s'amuse pas. Vous pensez que vous êtes en train d'abuser de lui, abuser de son handicap. Pourtant lui ne s'amuse pas. Ne jouez pas avec les sentiments de quelqu'un. Tu es de lui dire, quel buzz tu cherches? Quel buzz tu cherches? Tu cherches quoi comme buzz? Tu cherches quoi comme buzz? Tu cherches quoi comme nom? Tu cherches quoi comme gloire? Tu cherches quoi comme célébrité? Tu cherches quoi comme chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à ce que tu te vas prendre. Non, tu dis non, qu'est-ce que c'est ceci? Regarde.